Ce mercredi 26 juillet 2023, la 15e promotion du stage international perfectionnement en coteur de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a clôturé son stage lors d'une cérémonie riche en couleurs présidée par la substitut du procureur général en la personne, Madame Leila Mohamed Ali. Organisé dans la salle de réception, l'événement a vu la participation de l'adjoint au préfet d'Arta, du président du conseil régional d'Arta, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, de la présidente de la cour d'appel, des attachés de sécurité intérieure et des défenses de la France et de l'Éthiopie, du représentant directeur général de la police nationale, du représentant du directeur de la sécurité nationale, de la représentante de l'INFD, des magistrats et un bon nombre d'officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. La 15e promotion composée de 13 stagiaires venus des pays amis, mais aussi des forces de sécurité djiboutiennes, en l'occurrence la gendarmerie nationale, la police nationale, la sécurité nationale et la garde-côte djiboutienne, a reçu les diplômes, les insignes et des présents de la part des officiels. À la fin, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille. En aparté, le colonel Zakaria Hassan Aden a félicité les récipiendaires pour leurs très bons résultats, les a exhortés également à poursuivre leur engagement et à être des exemples dans leurs institutions respectives. Enfin, le chef d'état-major n'a pas manqué de souhaiter un bon retour dans leur pays respectif aux stagiaires des pays amis.